Amis des CNC, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement un petit site internet qui est absolument génial. Il s'appelle IntuWiz, qui va permettre très facilement de générer du G-code à la demande sans faire des softs et des plans compliqués. Justement, là, pour un projet sur lequel je suis en train de travailler, j'ai besoin de découper dans du plastique un logement pour y loger un rôle mobile. Et donc je vais utiliser donc ce site. Donc voici l'adresse, hein, je la mettrai en commentaire du lien. Donc là on peut mettre différentes choses qu'on peut faire, si on veut percer, graver, milling, c'est fraiser. Donc là je vais faire milling si je veux fraiser quelque chose. Et là on a encore trois choix, est-ce qu'on veut faire des contours, du surfaçage ou creuser des poches. Donc moi ici je veux faire un contour. Et ici donc on va avoir différentes formes possibles, on les voit ici. Et ici, moi, ce qui m'intéresse, ici, c'est de faire un cercle. Donc, je vais cliquer sur cercle. Et maintenant, bon, on voit, c'est un petit assistant très simple. Hein. Donc là, il va me dire déjà où est-ce qui est ma référence. Donc ici, moi, je veux que ce soit le centre du cercle. Donc, je vais dire que c'est le point 5. Donc là, c'est déjà fait. Est-ce que mon outil, il est sur le cercle, en dehors du cercle ou à l'intérieur? Donc moi, dans mon cas, il est à l'intérieur. Donc, je vais faire inside. Il me dit si je veux tourner dans le sens des aiguilles de montre ou à l'envers. Bon, dans mon cas, je n'ai rien à faire, donc on va tourner comme ça. Le diamètre du cercle. Donc ici, moi, le premier diamètre que je veux faire, c'est un diamètre de 12. Donc là, c'est en millimètres. Donc là, je rentre à 12. Avec une fraise de 4 mm. Ici, la profondeur totale de ce que je veux faire, donc ici, moi, c'est dans du plastique de 5 mm, donc ici, je veux dire, faire dépasser un peu d'un millimètre, donc de 6 mm. Je vais le faire en deux passes, donc par exemple deux passes de 3. Là, ça va être les filles, donc c'est les vitesses, donc on va dire le défaut va bien. Et ensuite, je vais lui dire donc à quel endroit ça commence, donc 0, 0. TFZ above surface, c'est la surface sur laquelle je veux que ça remonte quand ça déplace. Donc là, je vais mettre la sécurité, je vais mettre 3 mm, ça sera très bien. Là, il me dit le nombre de décimales, bon, aussi, je vais vous donner beaucoup de précision, donc 2, c'est bien. Et ici, je vais donc générer le G-code. Et là, on voit bah, qu'il m'a généré directement tout le G-code. Donc maintenant, ce code-là, j'ai plus qu'à le copier-coller et le mettre dans le fichier texte directement. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai généré le code encore exactement de la même façon pour faire la petite collerette. Hein, c'est un roulement avec une petite collerette. Donc ici, le G-code généré pour le contrôle, je l'ai mis donc dans l'excellent soft que j'ai déjà montré à la NC Corrector. Donc ici, on voit bien qu'il va me faire en deux passes le trou du roulement et en une passe le trou de la collerette. Donc ici, si je veux regarder même pas à pas un petit peu comment ça passe l'usinage, hein, c'est très simple. Donc on voit voilà, qu'il part bien du centre, il me fait le premier trou, le deuxième, et après il remonte. Et ici, de la même façon, il me fera la collerette. Donc bah, maintenant, j'ai plus qu'à charger ça dans la machine et allons-y. Donc voilà, j'ai monté pour l'instant une chute parce que on va essayer avant de le faire sur la vraie pièce normale. Donc on va pouvoir y aller. Donc c'est parti, on met en route la broche. Alors, pas trop vite parce que c'est du plastique. Et c'est parti mon petit. J'avais calculé pour que le roulement s'enfonce avec un petit peu de force, donc j'ai mis un petit peu avec une presse. Et là, bah on voit qu'il faut que j'enlève un tout petit peu parce que ça déforme un peu le plastique. Donc il faut que je serre un tout petit peu moins, mais on voit sinon que ça se met parfaitement bien. Donc je vais faire cette petite correction et je vais pouvoir refaire un essai et usiner la pièce finale. Donc vraiment, on voit que ça fait un travail impeccable. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment avec l'aide de ce petit soft, enfin cette page internet
très très pratique. On pouvait très facilement générer des petits G-codes vite fait comme ça et usiner ces pièces. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.